vous allez bien? Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mes cadeaux de Noël 2015. Donc je tiens à préciser que je ne fais pas cette vidéo pour me vanter de ce que j'ai eu, bien au contraire, mais je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup et vu que Jenny l'a faite, bah je me suis dit que moi aussi j'allais la faire. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, on va tout de suite commencer. Donc le premier cadeau que j'ai eu, et c'est le cadeau principal, c'est un nouveau téléphone et j'ai eu l'iPhone 5S en blanc. Donc avant j'avais un Samsung Galaxy S4 mini mais je m'en servais vraiment pas souvent et c'était très énervant parce que quand on m'appelait je répondais pratiquement jamais. Pareil pour les messages, je répondais vraiment jamais parce que je ne m'en servais pas, il était jamais sur moi parce qu'à chaque fois je me servais plutôt de mon iPod et du coup en plus de ça il buguait un peu et j'avais vraiment envie d'avoir un iPhone et vu que l'iPhone 6 est sorti, bah, l'iPhone 5 a baissé de prix et en plus on avait des réductions, du coup on l'a pas eu hyper cher. Du coup voilà, j'ai eu mon iPhone, donc il est comme ça, enfin c'est un iPhone 5S quoi, en blanc. Il est en 16 Go parce que je le voulais en 32 mais ils le font plus apparemment, je sais pas pourquoi. Maintenant ils font plus que 16 et 32. Donc avec, j'ai eu une coque transparente qui vient pas sur le devant, donc ça protège pas hyper bien. Mais du coup j'ai mis une plaque de verre trempé pour le protéger. Donc voilà, après donc je sais pas si je ferai un What's on my phone, mais pour l'instant je pense pas parce que vu que c'est un 16 Go, j'ai pas énormément de place vu que je m'en sers pour les vidéos et que ça prend beaucoup de place les vidéos. J'ai pas beaucoup d'applications donc c'est pas super intéressant, mais après dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous en fasse un. Mais voilà. D'ailleurs maintenant je filme mes vidéos avec mon iPhone. J'espère que la qualité est un peu meilleure. Donc voilà. Ensuite, prochain cadeau que j'ai eu, donc l'iPhone je l'ai eu de la part de mes parents et ma famille a participé un peu avec. Et de la part de mes parents toujours je crois, j'ai eu ce coffret de chez Yves Rocher, de la senteur vanille épicée, parce que vraiment j'adore cette odeur, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et donc voilà, j'aime vraiment vraiment, du coup voilà, j'ai le gel douche, la crème pour les mains, le savon pour les mains et pour terminer le baume à lèvres. Donc le baume à lèvres je suis vraiment trop contente, enfin pour tout je suis trop contente, mais en ce moment j'adore les baumes à lèvres. Donc j'adore vraiment cette senteur, si vous l'avez pas allez la sentir chez Yves Rocher parce qu'elle sent vraiment trop bon. Ensuite de la part de mes grands-parents qui ont aussi participé à mon téléphone, j'ai eu cette, alors c'est assez particulier, c'est donc un bijou, enfin un porte-bijou en forme de mannequin. Et en fait ce qui est particulier c'est la robe parce que c'est une matière toute bizarre mais vraiment hyper douce. Je la trouve trop belle parce qu'en plus elle est grise, pile dans les tons de ma chambre, du coup ça va super bien. Donc voilà, après chacun ses goûts, moi ça va, j'aime bien, mais c'est sûr que c'est assez particulier avec cette robe. Mais voilà, par contre moi je m'en sers pas, enfin c'est plus une déco, je m'en sers pas pour mettre mes bijoux parce que parce que voilà, je préfère m'en servir comme décoration. Et également ils m'ont offert comme petite bricole cette fleur de douche qui est trop bizarre, elle est hyper dure par contre. Donc vu que j'ai déjà plein de fleurs de douche, je pense pas que je m'en servirai. Mais je la trouve trop belle. Du coup dans la salle de bain, ça fait une petite déco pareil. Parce que elle est vraiment super jolie. Elle est en forme de fleur comme vous voyez. Et voilà. Ensuite de la part de ma marraine, j'ai eu des produits de chez Caudalie dans un petit sac comme ceci. Et donc pour commencer, donc j'ai eu 3 produits. Et pour commencer j'ai eu cette crème pour le corps. Comme ceci. Donc l'odeur c'est thé des vignes, donc c'est assez bizarre mais j'aime beaucoup l'odeur. Quand on sent dans le pot j'aime beaucoup l'odeur. Après je l'ai testé l'autre jour et sur ma peau ça faisait vraiment une odeur hyper bizarre que j'aime pas vraiment. Mais après je l'ai testé qu'une fois donc je peux pas vraiment vous dire. Mais en tout cas voilà, par contre il est très nourrissant et
Et voilà. Ensuite, j'ai eu cette mousse nettoyante, donc toujours de chez Caudalie, et toujours à la senteur thé des vignes, donc raisin et sauge. Donc voilà, c'est une mousse. Alors, c'est sous forme de pompe, et regardez. Voilà, ça fait vraiment de la mousse, comme c'est indiqué. Alors, maintenant, il faut que je m'essuie. Donc ça, je ne l'ai pas encore testé sur ma peau, mais ça a l'air pas mal. Donc je verrai, je vous en dirai sûrement des nouvelles. Et pour terminer, j'ai eu un gel douche, donc toujours même senteur, thé des vignes. Ça, c'est vraiment mon produit préféré des trois, parce que il sent mais tellement bon. Ah, j'adore, ça me fait penser, enfin c'est un peu une odeur des produits pour les bébés. Et j'adore cette odeur là et donc voilà. Prochain cadeau de la part de mes parents, je crois, je suis pas sûre, mais en fait je sais pas trop de qui c'est. J'ai eu donc une boule de bain de chez Lush. Donc c'est la Intergalactique Bass Bomb. Et celle-ci, je savais déjà que j'allais l'avoir parce que je suis allée l'acheter moi-même. Et donc elle est comme ceci, donc elle est juste trop trop belle. Elle est bleu turquoise, oula je m'en mets partout. Elle est bleu turquoise avec plein de couleurs et je sais pas si vous allez voir mais il y a plein de paillettes. Donc j'ai trop hâte de la tester parce que je pense qu'elle va donner un rendu fou quoi. Et avec, oh là là j'en ai mis partout. Et avec, j'ai eu un petit échantillon, donc c'est un gel douche, c'est le Beautiful Shower Gel, donc c'est un gel douche à la pêche, je crois. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu ce petit coffret de chez L'Occitane, donc regardez-moi la boîte comme elle est magnifique. J'adore les petites fleurs comme ça, les Liberty. Donc dedans, il y a deux produits, et donc pour commencer, il y a un petit baume à lèvres, donc à la senteur fleur de cerisier, et c'est ma senteur préférée de chez L'Occitane, donc j'étais juste trop contente. Donc un baume à lèvres, et avec, il y a un petit échantillon de la crème pour les mains, toujours fleur de cerisier. Et vraiment je surkiffe cette odeur, c'est un truc de malade. Donc voilà pour ce petit truc là, et j'adore. Et pour terminer, j'ai eu un coffret de chez Bar Minéral de la part de ma tante, parce qu'elle adore tous les produits naturels et bio. Donc Bar Minéral, c'est une marque naturelle de maquillage. Et du coup, vu qu'elle sait que j'adore le maquillage et surtout que je me maquille beaucoup au niveau du teint à cause de mes imperfections, et ben elle m'a offert ce petit coffret, donc je suis trop contente. Alors à l'intérieur, donc il y a une super jolie trousse noire comme ceci. Et à l'intérieur, on a un miroir où il y a marqué Hello Gorgeous. Donc voilà. Et ensuite, donc on a un petit livret comme ceci avec tout expliqué dans quel ordre il faut mettre les produits. Et comment il faut les appliquer, donc c'est hyper pratique. Et donc à l'intérieur il y a 5 produits, donc comme ceci, non même 6, ouais 6. Et donc pour commencer, on a un petit pinceau comme ceci, donc c'est un pinceau plutôt pour la poudre je dirais, donc voilà, il est super mignon, il est tout doux. Ensuite on a une base, donc c'est la Prime Time. Donc voilà, c'est une base de teint. Et ensuite on a des petites poudres, donc c'est des formats miniatures, mais ils sont déjà pas mal gros. Donc pour commencer, on a la Barre Minérale originale, et c'est en teinte Light W15. Donc ça c'est une poudre. Ensuite, donc c'est toutes des poudres libres hein. Ensuite, là on a la Barre Minérale Matte en teinte Light W15. Toujours, en fait, je crois que c'est tout Light W15. Et c'est aussi une poudre, mais je crois que celle-ci c'est une poudre fond de teint. Ensuite, on a la Barre Minérale Minéral Veil, je sais pas comment ça se dit. Donc, ça c'est tout petit, c'est trop mignon. Et je crois que c'est un highlighter. Et il n'y a pas de référence par contre.
Voilà, donc je crois que c'est un highlighter. Et donc voilà. Et pour terminer, on a la barre minérale tout court. Il n'y a rien marqué en dessous. Et donc ça, c'est un bronzer. Alors par contre, il est super foncé. Regardez, il est vraiment super méga foncé. Mais en fait, après, quand on estompe bien, ça va, ça fait assez naturel. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir eu ce coffret là. Il est trop bien. Et voilà, je la remercie encore énormément. Donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début, je n'ai vraiment pas fait cette vidéo pour me vanter. Et je suis très consciente qu'il y a des personnes qui ne fêtent pas Noël, enfin du moins qui n'ont pas de cadeaux. Mais j'espère vraiment qu'ils auront passé un très joyeux Noël avec leur famille. Donc voilà, je suis également consciente que j'ai été très gâtée. Et je suis super contente de tout ce que j'ai eu. Donc je remercie encore énormément toute ma famille. Et donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !